J'ai dit, oh, vous les belles sœurs, là, c'est moi où vous voulez jouer, quoi. Direct que j'étais en train de faire pour vous menacer, là. Vous êtes en train d'invoquer le diable pour m'attaquer. Mais vous avez menti. Direct, là, j'ai repris. Mais cette fois-ci, là, il n'y a pas de prophétesse. C'est la vraie gosse mais qui avait nous vous parler maintenant. Et puis je vous dis toute la vérité que vous refusez que je vous dise là. En laisse prendre son numéro. Voilà. Prends son numéro. C'est ma belle-sœur. Là, voilà, elle descend. Oh Dieu, là, il a attaqué les belles-sœurs. C'est la femme de mon grand frère. Mais j'ai attaqué les belles-sœurs. Pour vous dire qu'il y a belle-sœur et puis il y a belle-sœur. Il y a belle-sœur sur le cocotier et puis il y a belle-sœur en bas de manioc. Tranquillement, tranquille. Je vais reprendre mes directs. Vous avez fait quand ce même que j'ai fait à Talakou là même, ils vont plus voir les vidéos sur ma page. Pourquoi vous êtes sorcière comme cela même tranquillement, tranquille. Oh, arrêtez un peu votre sorcellerie là sur les réseaux sociaux là. Moi, mes gens ont été agressés. Les gens leur dit que connexion même n'est pas bonne. J'attaque les sorciers partout. Et nous, les noirs, là, on voit toujours les sorciers partout, oh, tranquillement, tranquille. Alors, je vais reprendre les big up. Ceux qui ont mis commentaire en premier là, c'est vous qui aurez mes premiers big up. Tranquillement, tranquille. Désolé, la première connexion, ça a été bousillé. Donc, je vais reprendre ma vidéo tout tranquillement, tranquille. Josima, la première fois, là, tu n'étais pas là pour faire mon tranquille. Hein. Donc, je suis fâché contre toi. Je suis fâché contre toi. Donc, attention. Donc, quand je fais mes directs, là, soyez prêts. Bouchou, oui, faut mettre tranquillement, tranquille. Chineke, là, je suis inspiré. Alors, dans la première vidéo, j'étais en train de parler et puis donner mes encouragements à toutes les personnes qui sont venues en aide à la dame veuve. Je vous rendais un témoignage parce qu'il y a une dame du Maroc qui m'a appelé pour me dire « Lolo beauté, quand tu as lancé l'appel, je ne sais pas pourquoi je n'avais pas assez d'argent, mais j'ai tenu à te faire un orange morning. » Parce que là-bas, l'argent ne sort pas, hein, mais il se casse pour faire le orange morning. Je t'ai amené le orange morning, mais moi-même, là, j'avais un problème. Donc, en t'envoyant l'argent, là, j'ai prié avant de t'envoyer l'argent pour dire, Seigneur, en tout cas, je suis en train d'aider cette femme veuve, mais toi-même, faut te souvenir de moi. Parce que je dois avoir un billet d'avion pour quitter au Maroc et puis aller aux États-Unis. Mais les problèmes faits de telle sorte qu'il n'y a pas de solution. Donc, en envoyant l'argent à cette veuve-là, Seigneur, toi-même, décante ma situation. La dame m'a écrit avant-hier pour dire Lolo, j'ai envoyé l'argent à la femme, c'était même pas beaucoup, mais Dieu a ouvert des portes. J'ai eu mon, j'ai pu acheter, mon billet d'avion, je m'en vais aux États-Unis. Vous voyez comment Dieu travaille, le numéro de la dame est là, parce que tu vois, il y a des personnes, elles sont des Saint Thomas. Quand on parle quelque chose, elles ne croient pas, il peut vous donner son numéro, vous allez l'appeler pour lui demander elle, mais on se connaît même pas, elle m'a jamais vu, c'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, pour vous dire que souvent, quand on lance les appels, souvent, c'est une source de bénédiction pour vous-même. Souvent, c'est une porte d'ouverture dans vos affaires. Donc, dis que Lolo Beauté, je n'aime pas ta tête, mais quand tu lances les appels, moi, je vais faire. Parce que c'est une bénédiction, vous êtes en train de faire comme cela pour vous-même. C'est pas forcément prendre son argent, envoyer à ses propres parents qui sont ici en Afrique, qui est une source de bénédiction. Non, la bénédiction peut venir des personnes qui sont dehors, qui sont dans les problèmes, qui sont à l'hôpital, qui sont couchées, qui n'ont même pas 5 francs pour manger. C'est ce genre de bénédiction-là que vous pouvez avoir. Il y a une dame en Europe qui m'a dit, Lolo Beauté, j'ai appelé quelque chose quick, market, tout le monde, je sais pas quoi là. Et là-bas, on peut payer des sacs de riz et puis on va te livrer ici. Mais prends ça et puis donne ça à la femme, elle va préparer, elle va manger. Vous voyez, souvent, c'est des petits actes qui prouvent que les êtres humains ont un cœur et ils savent s'aimer et où s'aimer. Parce que c'est pas forcément aller jeter dans la quête de l'église seulement que tu es béni. Tu vas, tu fais des offrandes, mais ton cœur est noir. La vraie façon de voir que quelqu'un est sincère, c'est de voir quelqu'un dans les problèmes, puis tu dis oui, moi je vais aider ta personne qui est dans les problèmes. C'est là on voit le cœur de tout un chacun, tranquillement, tranquille. Voilà, parce que c'était pour dire merci à toutes les personnes. Moi, mes choses, là, c'est clair. Oh. La femme, là, une fois qu'on commence à finir sa maison, là, je commence à vous présenter sans vidéo. Pour vous dire votre 5 francs, 100 000, 50 000, vous m'avez envoyé, vous m'avez fait confiance. Voilà le résultat. C'est ce qui fait la différence entre les ONG et puis Lolo Beauté. Parce que quand tu dis aux personnes, cotiser, on va faire ceci, là. Un mois après, là, il faut que ces personnes-là soient à mesure de voir ce qu'ils ont fait avec leur agent. C'est ça, on voit la distinction de femme et puis femme, de ONG et puis bouche de Lolo Beauté, tranquillement, tranquille. Vous avez dit que je suis la voix d'or, tranquille. Mais aujourd'hui, là, c'est pas de ça que je suis venu parler. Parce que l'esprit de la grosse zigueï doit apparaître dans mon corps. Parce qu'il y a le foyer de ma copine qui est en train de prendre feu.
Mais moi, là, il y a même fait dans le string de ses copines, là, de ses belles-sœurs, là. Parce que vous emmerdez le peuple, là, vous, les belles-sœurs. Actuellement, c'est plus la prophétesse Anne. Hein. Non. Pas une qu'on va sortir tout de suite, là. Aujourd'hui, c'est pas Lolo Beauté qui a venu pleurer pour aider quelqu'un. Non. Aujourd'hui, j'ai envie de rétablir un couple. J'ai envie de parler à un garçon avec grand H. Je parle pas les garçons, prennent, là. Quand les sœurs viennent dire, ta femme m'a fait ceci, prennent défense de leurs sœurs au détriment de leurs femmes qui sont enlevées leurs caleçons pour baiser la nuit, là. Non! Aujourd'hui, là, je vais vous parler la vérité. Ma belle-sœur même est ici, la femme de mon frère ici. Mais elle, là, nous, on n'en met pas. Parce que quand on est dans un foyer, là, il faut laisser le foyer se régler seul. Les belles-sœurs, les petites poclées du quartier, là. Ma chérie, tu as pris ton foyer, on commençait d'abord sur les femmes. Parce que souvent, même les femmes, là, c'est nous-mêmes qui appelons le diable dans notre maison. Ma chérie, il faut dire, je n'inviterai plus le diable dans ma maison. Il faut répéter après moi, je n'inviterai plus le diable dans ma maison. Parce que même ta propre sœur, là, peut être ton diable. Quand je vous parle ici pour vous dire que le diable, c'est les autres, vous pensez que c'est quoi? Même ta maman, même peut être le diable pour toi, tranquillement, tranquille. Ta sœur peut être le diable pour toi. Ton petit frère peut être le diable pour toi. Parce que toutes les personnes qui ne t'arrangent pas, là, ma chérie, dans ta vie, là, faut dire le diable, c'est vous. C'est ça, je suis en train de vous parler la vérité ici. Parce qu'il y a des femmes paresseuses là, quand elles rentrent dans un foyer là, c'est elles maintenant qui vont se jouer aux grandes dames. Ah oui, j'allais chercher ma petite soeur au village, elle va venir laver mes assiettes, elle va venir laver l'habit de mon mari, elle va venir s'occuper un peu de mon mari parce que moi je travaille. Ma chérie, qui a parlé ça? Moi, Lolo Beauté, je suis la femme la plus occupée. Mais dessous de mon chéri là, manger de mon chéri là, souvent je prends ça en charge. Parce qu'on néglige notre foyer. On prend notre foyer et puis on donne ça à notre petite soeur, ma chérie. Elle va finir de nettoyer ta maison là. Après, va aller raser les poils de ton mari. Tranquillement, tranquille. Parce que je vous dis que les hommes là, c'est comme des enfants. Souvent là, ils sont tentés par le diable. Les fesses de ta petite soeur vont traîner devant ses yeux une fois. Il va regarder, il va dire, ma belle soeur, tu es jolie, hein. Belle soeur, encore ta petite soeur va passer encore devant lui deux fois. Il va regarder ses seins, il va dire, elle n'a pas encore fait enfant comme ma femme. Elle regarde comment ses seins là sont debout. Elle va passer encore une troisième fois, ma chérie. Ton mari va bander, il va baiser ta soeur tranquillement, tranquille. Parce qu'il y a des soeurs sorcières, je vais vous apprendre ça. Il y a des soeurs, elles n'ont aucun scrupule. Elles vont faire rivalité avec toi-même dans ta propre maison. Tu te tapes ton mari le soir, la journée là où c'est doux là, quand on baise la journée, la façon c'est doux là. Elle va attraper les testicules de ton mari et puis elle va faire son travail propre. Façon elle va nettoyer ta maison propre là. C'est comme ça, elle va raser les poils de ton mari. Le soir tu viens, ton mari il est bien rasé, bien parfumé, bien propre là. C'est le lavage et le travail de ta petite soeur en train de continuer comme cela. Parce que souvent quand on vous parle là, vous pensez que les paroles de Lolo Beauté là sont en vain. Vous ne me payez pas pour faire mes vidéos. Mais si je fais mes vidéos là, c'est pour sauver beaucoup de personnes parce que j'ai une mission. C'est pas quelqu'un qui paye ma connexion ici. Donc tant que j'aurai la bouche telle qu'elle est là, dis quoi comme cela là, je vais venir vous parler les nien con ici. Maintenant il y a des garçons là, toi tu as pris une femme, tu vis avec ta femme. Mon ami, ta petite soeur, ta maman, elle, toute la clique, la racaille, la bouseuserie qui se suivent là, tu peux pas les laisser au dehors là-bas. Non, moi je comprends pas. Il y a des garçons, André, qui n'ont pas assez de couilles. Ils ont besoin encore d'aller têter les seins de leur maman. Si tu n'as pas encore fini de têter les seins de ta maman, va venir me prendre pour mettre dans ton foyer. Parce que tu as venu me prendre pour mettre dans ton foyer. Et puis tu allais prendre tes soeurs là pour dire oui, elles vont venir vivre avec toi, ma femme. Et puis ils mentent, les garçons là. Ils vont te dire oui, ma femme, elle va venir vivre avec toi, elle va t'aider à les tâches ménagères là. Ma chérie, tu es en train d'inviter le diable dans ta maison. Le diable, c'est les autres. Tes belles-sœurs, tes beaux-frères, tes cousins éloignés, et toute la clique et la racaille, la bande de mendiants là, ils n'ont qu'à rester au dehors là-bas. On n'a pas besoin d'eux dans le foyer. Le foyer, c'est monsieur, madame, les enfants. Le reste, c'est la clique. Le reste, c'est le diable. Le reste, c'est le problème. Le reste, c'est les bandes de cons. Tranquillement, tranquille. Parce que c'est eux là qui ont venu diviser ton foyer. C'est eux là qui ont venu mélanger ton foyer. C'est eux là qui ont venu faire des racontats. Il y a des belles soeurs qui se cachent derrière les fenêtres de leurs frères pour voir les testicules de son frère en train de baiser sa femme. Comment tu peux imaginer ça? Elle est là matin. Ils se sont pas discutés la nuit. Hein. Regardez comment matin ils sont heureux comme ça. Je suis sûr qu'il a baisé sa femme là jusqu'à en fatiguer. Regardez comment elle a tête. Comment toi, une soeur, tu peux parler comme ça à ton frère? Qu'est-ce que tu cherches même dans la maison avec ton chasse-pleu? Mais jetez les bagages au dehors! Jeter les bagages au dehors, c'est les ennuis. Le diable, c'est les autres.
Et ces belles sœurs là, c'est les autres. C'est les démons même. Elles vont venir mélanger ton foyer. Toi-même, tu vas même pas t'en sortir. Puis c'est les mêmes belles sœurs là. Elles vont aller chercher femmes pour donner à leurs frères. Parce qu'elles ont envie de s'attendre avec leurs frères. Donc leurs camarades, quand ils vont venir à la maison, elles vont dire ah, en tout cas, mon frère, ma camarade, elle est fan de toi. Hein. Voilà comment les problèmes s'invitent dans ta maison. Donc fais très attention. Une belle sœur te dit ma chérie. J'ai venu te rendre visite. Faut me rendre visite au Dior là-bas. Faut pas arriver chez moi. Souvent, soyons des femmes au caractère. En tout cas, moi, je suis très dure de caractère. Je suis très sensible, en même temps, très dure de caractère. Je ne peux jamais inviter le diable dans ma maison. Je ne peux pas inviter le diable dans ma maison. Donc, les histoires de belles-sœurs, de belles-mères. Regardez comment ma belle-sœur me regarde. Regardez, celle-là, c'est une grande papa. Toi, elle m'a allé jeter ses barrages au Dior chez mon frère là-bas aussi. Henriette, celle-là c'est ma bras droit, hein. C'est la femme de mon frère, mais je la respecte. Parce que elle a su démontrer qu'elle aime mon frère. Donc l'affaire de petites soeurs ou bien mes belles soeurs venaient vivre chez moi là. Il n'y en a pas ça chez nous là-bas. Les belles soeurs, nous là, on est ces diables. Elle n'a qu'à prendre ça comme ça dans sa tête. Parce que si moi je m'en vais vivre chez elle là, je vais avoir un. C'est-à-dire, on va lutter le leadership. Qui va commander dans la maison? Ah, c'est la maison de mon frère. Elle aussi va dire, c'est la maison de mon mari. Et puis, on se lutte maintenant le trône. C'est pourquoi? C'est-à-dire, tout ça là même, c'est pourquoi même? Tout ce bouillamini mélangé de la cliptoriste, de la chiennerie, de en bas des maniocs là, tout ça là même, c'est quoi même? Mon ami, après avoir des couilles, apprends à dire à tes soeurs de rester chez elles là-bas à la maison. Maintenant, si elles n'ont rien à foutre là, elles n'ont qu'à trouver un travail et puis aller travailler. Faut pas elles vont venir mélanger ta femme. Faut pas elles vont venir mélanger ta femme. Faut pas elles vont venir mélanger tes enfants. Parce que c'est les sorcières. Quand je vous dis que le diable c'est les autres, vous pensez que je m'amuse. Hein? Souvent, quand les gens me voient en train de faire mes vidéos là, les intelligents là, ils comprennent le fond de ma vidéo. Mais les personnes qui sont pas trop intelligentes là, et parce qu'il y a des personnes là, quand ils viennent sur les réseaux sociaux et puis ils commentent là, je me demande même, vous pensez. C'est que quand vos parents vous mettaient à l'école, c'était pour vous faire du mal. Il y a des personnes là, quand tes parents te mettaient à l'école, tu pensais que c'était pour te faire du mal. C'était pas pour te faire du mal, hein. C'était pour t'apprendre une éducation. Parce qu'il y a des personnes, là, quand ils ont raté leur vie scolaire, là, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils vont venir insulter les gens. Mais moi, je vais vous apprendre que je suis la blogueuse qui peut insulter mère con de quelqu'un en plein direct. Ah oui, de toute façon, je suis sensible, c'est comme ça, je suis très mal élevée. Donc là, si tes parents t'ont mis à l'école, tu pensais que c'était pour te faire du mal, là, mon ami, retourne à l'école. Il y a des personnes qui ont 30 ans qui retournent pour aller faire CP1 coup du soir. Donc va à l'école, au lieu de venir oublier les gens sur les réseaux sociaux, là. Ici, là, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Et puis chacun est libre de donner des bonnes expressions. On n'a pas besoin des gens en bas de manioc ici, là. Parce que vous allez voir aujourd'hui commentaire des belles sœurs, là. Elles vont venir parler de mon crayon, là. Les pauvrettes, là. Les celles qui n'ont rien, là. Venez vous donner au moins 1000 francs. Vous allez prendre ça pour déjeuner, au lieu de venir insulter les gens gratuitement, là. Vous n'avez rien dans vos caleçons. Là, vos streams PC là, c'est vous qui venez dans foyer des gens pour venir mélanger toute les foyers là. Il y a des hommes aussi tellement qu'ils sont idiots. Oui, c'est ma soeur, donc faut aller doucement. C'est ta soeur, et puis elle n'a qu'à enlever son caleçon, tu allais la baiser. Si c'est ta soeur, elle n'a qu'à enlever son caleçon, elle va te faire des enfants. Si c'est ta mère, elle n'a qu'à enlever son caleçon, elle va te faire des enfants. La mère, on la respecte au titre de la mère. Mais la belle-mère ne peut pas venir diriger moi mon foyer. Toi, tu es qui? Moi, tu as entendu quelqu'un aller diriger toi ton foyer, toi, tu es venu diriger mon foyer. Et puis, quand les belles-mères, elles arrivent là, c'est fini. Hein? C'est elle qui veut diriger. Non, on n'a qu'à manger ceci aujourd'hui. On n'a qu'à marcher. Si tu veux manger ton ceci et cela, là, va au campement. Ah oui. Va au campement rapidement au lieu de venir me chauffer les rognons ici là. Tu as envie de mettre quelque chose là, faut fermer ta bouche. Ta belle fille te comprend, elle peut te donner le nécessaire, mais quand tu exagères là, on va foutre ton chasseur bleu là au campement. Il faut aller là-bas tranquillement, tranquille. Maintenant là, la vie est très compliquée. On n'a pas besoin de personnes pour venir nous étouffer. On est déjà même d'un pays qui est chaud. Donc tous nos comportements là même, tout est chaud. Nous-mêmes on étouffe, et puis vous allez venir nous étouffer encore? Ou bien on rit locaux. Les belles soeurs, les cousines, les cousins, la bande de cliques et des racailles qui se ramassent pour venir dans la maison des gens, on est fatigué de vous. Ah ouais? Lolo Beauté dit stop aujourd'hui, on est fatigué de vous. Et toutes les femmes guerrières comme Lolo Beauté, elles doivent partager la vidéo là. Même si ta belle soeur est amie avec toi, faut lui partager la vidéo pour dire ma belle soeur, je t'aime, hein, mais faut rester loin de mon foyer, tranquillement, tranquille. N'invite pas le diable dans ta maison. N'invite pas le diable dans ta maison. Non!
Lévi, je suis pas sévère. Dans la vie, là, quand tu joues au faible, là, tu t'attires le problème. Souvent, il faut être dur. Souvent, il faut être sensible. Souvent, il faut être douce. Souvent, il faut trop réfléchir. Mais aujourd'hui, on ne réfléchit pas trop. On dit stop aux belles soeurs, aux belles mères, à notre petite soeur. Moi, je suis dans mon foyer. Ma petite soeur va venir chercher quoi dans mon foyer? Tu veux venir lutter tes circules de mon mari là avec moi? Je t'ai dit que moi-même, je ne peux pas faire mon travail. Parce que les femmes paresseuses, là, on est tellement paresseuses qu'on est obligé d'inviter le diable dans sa maison pour dire qu'il faut venir faire mon travail. Ça, c'est quoi ça, là? Oui, Adeline, tu demandes mon numéro. Mon numéro, là, c'est un numéro où il faut faire transfert. Parce que vous, là, vous prenez mes vidéos, mais jamais vous m'avez fait transfert. C'est le 57 18 09 23. C'est un numéro Orange Morning aussi. Vous pouvez semer les dîmes et les offrandes. Parce que je suis la prophétesse Al. Alias la Zigei, pour tout l'Aleka, tranquillement tranquille. La femme qui a la plus grosse bouche et la plus sale bouche d'ici en Afrique, c'est moi Lolo Beauté, tranquillement tranquille. Tu parles ici, on se répond ici, tranquillement tranquille. Donc les belles soeurs, faites attention. On est fatigué de vous là. On est fatigué de voir vos strings se balader dans nos séchoirs là, tranquillement tranquille. Ça veut dire quoi ça? Il y a des femmes aussi, les belles soeurs, ton mari dit oui, j'ai envoyé ma petite soeur, elle va quitter en Afrique, elle va venir en Europe, ma chérie. Durée des belles soeurs dans une maison là, c'est un mois tout au plus. Ah, je suis en train de vous parler les belles ici, il y a une personne qui veut m'écouter, il n'a qu'à m'écouter. Invite le diable un mois dans ta maison et puis tu dis lui stop. Sinon, après un mois d'habitation là, tu vas voir que le diable est réellement dans ta maison. Donc faites attention. Ta belle-sœur qui est ici en Afrique, elle arrive en Europe là-bas. Là. Tu la fais asseoir. Tu dis en Europe ici, là, c'est une jungle. On n'est pas venu ici pour se regarder. On n'est pas venu ici pour jouer. Si ton frère t'a amené ici, là, c'est pour venir te chercher. Et puis vous deux, là, vous allez mettre votre main ensemble et puis aider la vieille qui est en Afrique. Là. Faut pas venir dire que tu as eu foyer, tu as venu t'asseoir chez moi ici. Ah non, non, non. Durée de péremption de belle-sœur, de cousine, de cousin, de belle-mère, c'est un mois. Après les un mois, là, tu fous le camp. On appelle ça tu fous le camp. On parle pas trop. Tu dis, matin quand tu te réveilles, tu dis fous le camp. Tu fais ton doigt comme ça, tu dis fous le camp. Il n'y a pas deux parents, il n'y a pas fait de dire non, tu sais que la maison est petite. Non. Après un mois, tu dis fous le camp. Dégage. Ma maison ne me suffit pas. On t'a abrité un mois, tu peux te débrouiller tout le reste. Un point, un trait, bah, les femmes qui veulent jouer au trop sentimental, là, demain, là, vous aurez vos gros yeux pour pleurer. Vous allez dire que Lolo Beauté m'a parlé, je n'ai pas écouté. À chacun son foyer. Ma chérie, tu as deux seins, tu as poil, tu fais règle, va faire foyer. Faut pas venir gêner les peuples ici, là, tranquillement, tranquille. Maintenant, vous qui aimez prendre vos petites soeurs pour venir dans vos foyers, là, faites attention, hein. Maintenant, les petites soeurs, là, sont animées d'un esprit démoniaque. Vous deux, vous allez lutter les testicules de vos maris, là. Vous allez voir ici. J'ai fini de parler. Je m'en vais. J'ai fini mon passage télé. J'ai fini. Je suis avec Monsieur Bédier, le petit-fils de Bédier. Vous voyez comme il se ressemble là. Le petit-fils de Bédier. Salut quand même ma population. Reste béni. Voilà, c'est tout. Ah, on prend une grâce comme cela, tranquillement, tranquille. Donc, c'était Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. Je vous aime, je vous adore. Ceux qui veulent la voler avec, ceux qui veulent voler avec Lolo Beauté là, on va évoluer. Maintenant, ceux qui pensaient que les parents les mettaient à l'école pour les faire du mal là, restez derrière. Parce qu'on a besoin souvent des ouvriers pour nous accompagner.